mot très rapide pour introduire cette table ronde. Vous avez bien saisi que l'intérêt d'une telle journée ne se situe pas dans sa seule approche historique, mais bien évidemment dans les liens qu'elle propose avec les questions mémorielles, et on a vu à quel point c'était quelque chose d'encore extrêmement sensible, et bien sûr, en ce qui nous concerne, nous, formateurs d'enseignants, avec ça lié avec la question, je dirais, plus large de la transmission des faits historiques à l'école. Effectivement, comment les faits historiques liés aux guerres mondiales du XXe siècle et à leur violence sont-ils abordés dans le cadre de l'espace classe? On a eu une approche par les programmes, notamment ce matin avec M. Stéphane Henry. Le récit historique qui est réalisé par l'enseignant est-il suffisant finalement? Quelles sont aussi les articulations qui sont proposées par les enseignants entre l'histoire et la mémoire, ou l'histoire et les mémoires? Et puis enfin, comment parler très concrètement des violences de guerre devant des élèves, et devant des élèves parfois très jeunes? Le massacre d'Ascq est bien un objet d'étude complet, comme Stéphane Henry nous l'expliquait ce matin, et je dirais qu'au-delà du pathos qui ne peut être au cœur de l'approche que l'école propose, hein, qui vise elle à développer donc l'esprit critique et la capacité d'analyse, il est bien sûr nécessaire de faire percevoir ce que l'événement signifie. Et cet événement porte en lui les questions du totalitarisme nazi, les questions de l'occupation, de la situation des civils, de la place de la résistance, de la collaboration et des violences de guerre. Et donc, en entrant de manière inductive par cet événement, les élèves en perçoivent ainsi l'aspect, je dirais, global, par le jeu des échelles spatiales et temporelles, tout en entrant, malgré tout, dans sa compréhension par la réalité de l'histoire, par sa dimension tragique, mais sans pour autant paralyser la nécessité de la réflexion, de l'analyse et de la distance. C'est donc un exercice, vous comprenez bien, très difficile qui est à réaliser face aux élèves et dans les classes, et je souhaite remercier vivement les collègues présents autour de cette table d'avoir accepté de partager leur expérience et de nous faire part aussi, notamment des difficultés auxquelles ils doivent faire face dans l'acte de transmission face aux élèves, que ce soit à l'école ou dans des structures muséales qui abordent donc aussi ces questions centrales des programmes scolaires, que ce soit à l'école, que ce soit au collège et que ce soit donc au lycée. Merci donc à Fabienne Lepère, professeure des écoles, qui enseigne à l'école Camus de Villeneuve-d'Ascq. Fabienne interviendra la première pour présenter le travail conséquent. J'avoue avoir été extrêmement impressionnée par le travail réalisé dans sa classe de CM2 autour du massacre d'Ascq et autour, évidemment, du contexte beaucoup plus général de la Seconde Guerre mondiale. Magali Cochet, professeure d'histoire-géographie au collège du Triolo de Villeneuve-d'Ascq, qui prendra donc la parole dans un deuxième temps et qui nous racontera l'expérience transdisciplinaire menée avec sa classe de 3e, associant l'histoire, le français et l'enseignement moral et civique. Et enfin, nous écouterons Hélène Priego, directrice d'une très belle et essentielle structure muséale, le Musée de la Résistance de Bondues, qui accueille là aussi quotidiennement des classes et qui largement contribue à mettre également les élèves face à la réalité de l'histoire. On va donc écouter Fabienne et commencer par l'expérience du premier degré avec une classe de CM2. Vous m'entendez, ça va? Bon, bonjour à tous, donc j'enseigne à l'école Camus depuis 2 ans avec des élèves de CM1, CM2. Auparavant, j'étais sur Mons-en-Barœul. Je vais donc tout de suite parce que j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec les classes de Mons sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que je me permets d'évoquer. Le massacre d'Ascq s'inscrit dans les programmes de l'école élémentaire, tout particulièrement pour travailler avec des élèves de CM2. Donc c'est le thème 3. La France, les guerres mondiales à l'Union européenne.
Donc vous pouvez l'observer, on a énormément de thèmes à traiter autour de ce thème 3. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, et donc la résistance, la France combattante, la collaboration, le génocide des Juifs, ainsi que les autres persécutions, on pense notamment au peuple tzigane, aux homosexuels. Donc le thème est très très vaste, et on dispose de peu d'heures pour l'aborder complètement. Alors, j'ai choisi de travailler avec mes élèves sur le thème du massacre d'Aspe cette année pour plusieurs raisons. Les premiers constats que j'ai faits, c'est que peu d'élèves dans ma classe savaient pourquoi on appelait notre ville du Mel d'Aspe. Je leur ai demandé en début d'année, j'ai deux élèves qui ont été capables de me donner une première réponse. Autre raison qui m'a poussée à aborder ce thème avec les enfants, c'est tout simplement le contexte actuel, avec la montée des populismes. La crise économique et aussi, je l'aborderai peut-être après, le fait que nos élèves sont de plus en plus ont un accès très important à la formation, je pense beaucoup à Internet, et ont de plus en plus de mal à faire la différence entre à définir ce qu'est une information, hein, une bonne information, aller chercher les sources. Ils sont souvent très passifs devant les écrans, on a tous, hein, et quelque chose, je schématise un petit peu, mais bon, on n'en est pas loin avec certains enfants malheureusement, ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils voient sur YouTube, c'est vrai. Voilà. Donc c'est, je suis partie aussi de cette réflexion-là pour me dire que c'était important de travailler sur ce thème-là, en plus bien sûr du devoir de mémoire. Si je ne suis pas claire, vous m'arrêtez, n'hésitez pas. Alors, j'ai choisi de travailler en projet avec ma classe. Deux projets. D'abord, une classe de découverte organisée à Ouistreham au début du mois de mai pour travailler autour du parcours pour la paix. Je suis déjà partie avec deux classes les années précédentes et ça me semblait intéressant de travailler avec ces CM2-là sur ce thème-là. Et deuxième projet, je ne sais pas si vous connaissez, dans la circonscription de Villeneuve-d'Ascq Nord, nous travaillons dans ce qu'on appelle un projet Créa-Livre. C'est un partenariat avec des auteurs et des illustrateurs. Concrètement, comment ça se passe? On fait appel une semaine en classe à un auteur, un illustrateur, ou ça peut être une personne qui fait du théâtre, par exemple, pour intervenir avec nos enfants. Donc je me suis inscrite en début d'année sur ce projet-là, en expliquant la circonscription, j'allais travailler sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement de la vie à Aspe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était mon projet de départ. J'ai beaucoup hésité avant de travailler sur le massacre d'Aspe parce que c'est un thème qui me paraissait difficile à aborder avec les enfants, de par sa charge émotionnelle, et je me suis lancée. Autre difficulté avec ce thème-là, c'est jusqu'où aller avec des enfants de 10 ans. Quel support utiliser pour travailler ce thème-là? On a accès à une multitude de supports et c'est difficile de faire un choix. Et on a souvent des images qui sont très, très choquantes déjà pour les adultes, alors pour les enfants, on imagine bien les conséquences que ça peut avoir. Donc le choix des supports m'a posé problème, mais il y a beaucoup de choses à présenter, il y a beaucoup de choses, mais il fallait faire le tri. Ensuite, on a des enfants à 10 ans, 11 ans, qui sont devant les enseignants et qui attendent la vérité. Hein, on le sait tous. Hein. Ils attendent qu'on leur dise ce qui est bien, ce qui est mal. Et souvent, leur représentation, lorsqu'on parle de conflit, c'est d'un côté les méchants et de l'autre les gentils. Et moi, le premier objectif avec mes élèves, c'est de les pousser à réfléchir. J'essaie toujours de me dire pour notre futur citoyen, et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'ils apprennent à réfléchir, à s'informer. C'est pour ça que ça me paraissait un sujet très porteur pour ces enfants, surtout à cet âge-là. Et aussi, également, par exemple, ce que c'était que résister. Il y a un très bel album qui a été écrit par M. Deninx, Il faut désobéir, qu'on a travaillé avec les enfants, et qui a permis de grandes discussions sur ce thème-là. Ce que c'est que résister. Dans l'imaginaire des enfants, un résistant, c'est quelqu'un qui pose des explosifs et qui fait sauter les trains. Et il y a eu tout un travail qui a été fait avec les enfants sur ce que c'est que résister. C'est d'abord dire non et c'est aussi s'informer. Je sais que ce qui a choqué beaucoup les enfants,
quand on a travaillé sur le thème de l'observation, de l'information, par exemple, lorsqu'ils ont appris qu'Hitler avait été élu démocratiquement, ça a choqué beaucoup les enfants et ça a amené de nombreuses discussions. Et je pense que c'est important, à l'heure actuelle, de travailler ça avec les enfants. Alors, dans le cadre de ce projet, j'étale un petit peu avant, j'explique un petit peu avant ce qu'on a fait en amont. J'ai décidé d'entrer par le biais de la littérature de jeunesse, et pour cela, dans la classe, donc, j'ai organisé ce qu'on appelle un rallye lecture, c'est-à-dire que j'ai choisi, sélectionné une trentaine de documents, de romans, de documentaires, d'albums, adaptés à des enfants de cet âge-là, et on a organisé un petit concours dans la classe. Le but, c'est de collecter des informations, c'est d'aborder le thème de l'histoire, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, pardon, d'une manière assez générale. Les ancrer dans l'histoire. Donc chaque enfant a dû lire 4 à 5 livres sur ce thème-là. On a fait des petites fiches de lecture, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. On a fait des petites présentations. Quel était le livre préféré? Qu'est-ce que vous avez appris dans ce livre-là? Quelles questions vous vous posez? Et on s'est dit qu'on allait essayer de chercher les réponses à leurs questions en allant visiter les lieux sur place, puisqu'on nous demande dans les programmes d'aller vérifier sur place les traces de l'histoire, en allant chercher dans les livres et aussi sur Internet, mais en allant chercher de manière intelligente, en allant chercher une réponse à une question. D'où le travail sur les sources. Alors le travail se faisait en classe, dès qu'il y avait un moment de lecture, on sortait les bouquins, on se les échangeait, on en parlait, à la maison aussi. Je peux le dire aussi, il y a beaucoup de parents qui sont investis, qui sont venus un petit peu, qui ont recherché des informations. J'ai un enfant, par exemple, qui m'a ramené la carte de son arrière-grand-père, carte de résistance de son arrière-grand-père. J'ai un autre enfant qui m'a dit, on en a discuté avec mamie, j'ai mangé des topinambours à cause de vous. Et puis la semaine prochaine, je vais goûter les rutabagas. Il a dit, c'est pas trop grave, mais ça. Donc c'est l'occasion d'échange et c'est ça qui est agréable aussi, quoi. Ils en parlent à la maison. Donc c'était un petit concours, ils ramenaient des points pour une équipe, on travaillait ensemble. Hein. Chaque livre était lu et puis on avait des points, on ramenait des points pour son équipe. Des livres avec des niveaux de difficultés différents qui permettaient à des enfants en difficulté aussi de trouver leur place dans la classe et dans le projet. Donc c'est un exemple de petit questionnaire. C'est des choses assez basiques qui permettent moi de vérifier un petit peu si c'est compris et puis eux de fixer les repères historiques. Ensuite, on a mis au commun tout ce qui avait été lu et on a répondu à des petites questions, on a fait des petites charades sur les thèmes de la Seconde Guerre mondiale. Je passe très vite. Donc il y avait des QCM, des vrais faux, des petites charades. Donc on fait de l'histoire, du français, de la production écrite notamment, avec les résumés. Et de la géographie. Donc ça c'est tout le travail qui a été fait en amont avec les enfants. Ensuite on a travaillé, je ne sais pas si on vous l'a présenté, certainement c'est la bande dessinée. Donc j'ai décidé de travailler avec les enfants sur ce thème-là, à partir de la BD de Monsieur Mock justement, Ask 3945, qui est disponible à la médiathèque. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi ces supports-là? Parce qu'il était, compréhensible pour les enfants, et en plus, la BD, c'est souvent un support qui attire les enfants. Bien difficile à travailler, mais qui attire les enfants. Donc, on a étudié tout simplement les planches. Parfois, on répondait à des petites questions. Parfois, on allait colorier des éléments intéressants dans les dessins. Par exemple, un petit travail sur aller chercher les couleurs des uniformes. L'idée, c'est de fixer les choses avant de travailler sur le massacre d'Ask, pour pouvoir ensuite se concentrer sur l'événement. Une fois la BD étudiée, donc on est allé visiter à l'occasion d'une journée balisée par la mairie, le matin, le mémorial d'Ask, et comme vous l'a dit Madame Sanchez, l'après-midi, nous sommes allés au musée du terroir. Donc nous avons été reçus par un guide le matin, on a commencé par la visite à l'extérieur du musée. Et comme les enfants avaient travaillé sur la BD, il y avait beaucoup de questions posées par les enfants, on les avait préparées en amont. On a travaillé également sur la maquette.
et on est entré à l'intérieur du musée. Donc très vite, le guide a rappelé l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On est passé très très vite sur ça, puisqu'on l'avait fait en amont avec les enfants en classe pour se concentrer sur les événements du massacre d'Ascq. Puis on allait faire donc un tour dans Ascq pour aller essayer de repérer justement les traces de l'histoire. C'est important pour les enfants, pour qu'ils comprennent que ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui, parce que dans le passé, justement, il y a eu des événements dont on retrouve des traces encore quand on va se balader. Pour l'anecdote, par exemple, j'ai des enfants qui font partie du club de USASC, club de football, et qui sont allés repérer sur place, alors vous n'avez pas vu, hein, la plaque qui était présente, ils m'ont dit, j'ai vu justement qu'il y avait une trace de ça. Une petite anecdote, je peux vous la raconter aussi. J'ai diffusé aux enfants, juste avant d'aller visiter le musée, je leur ai montré des photos, justement, des photos du musée, et notamment la plaque avec les noms des victimes de ce massacre. Donc les enfants, bien sûr, ont lu tous les noms. Ah bah, il y a Olivier, un autre garçon qui me dit « Bah non, Olivier c'est mon prénom, donc c'est pas ma famille. » Et on a aperçu le nom de Dilly sur une des plaques. Et il se trouve que dans ma classe, j'ai une petite fille, Katia, qui s'appelle Katia Dilly. Donc bien sûr, elle s'est interrogée. Bah, je lui ai dit « Écoute, tu demanderas à papa et maman pour savoir un peu si vous connaissez Henri Dilly. » Donc elle s'est renseignée. Non, papa m'a dit qu'il n'y avait personne dans la famille qui s'appelait Henri. On sait tout. On a commencé la visite et on vous a projeté tout à l'heure l'image avec les visages. Et donc elle m'a appelé, puis elle m'a dit, j'ai demandé à mamie, et mamie, elle m'a dit, Henri Dilly, c'est mon arrière-grand-père. Oui. Voilà. C'est juste, je voulais juste vous le raconter parce que pour moi, c'est un moment important aussi. La mémoire finit par s'oublier. Et ça a été l'occasion d'une discussion dans la famille aussi. Donc, et lorsqu'on a écrit le texte, les textes avec les enfants aussi, elle m'a demandé si on pouvait évoquer au cours d'une phrase, si notre personnage principal, on avait fait le journal intime d'un enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, si notre personnage principal pouvait croiser son arrière-grand-père, donc on l'a évoqué dans le petit texte. C'est des petites choses, mais c'est des choses importantes, surtout à cet âge-là. Donc on s'est promené un peu dans la ville d'Ascq. Alors je vous projette cette photo-là, notamment parce que c'est écrit, on a écrit une centaine de pages, enfin avec une police importante, 42 textes, on a écrit 42 textes. Notre histoire commence en 1939 et se termine avec la libération de l'île. Et notre personnage, Louise, qui voit sa ville, qui voit son ville d'Ascq libérée. On s'est appuyé sur cette visite, sur ce qu'on a découvert au mémorial d'Ascq pour nourrir nos écrits. Le personnage qu'ont inventé les enfants, Louise, va croiser donc Henri Dilly, va croiser Jean Roch, aussi, va aller à l'école Pierre et Marie Curie. Donc c'est un moyen pour moi de lier la littérature et l'histoire. En parallèle, Madame Sanchez vous en a déjà parlé, on a eu l'occasion de travailler sur les moyens de communication. Pareil, ça a nourri nos histoires, aussi notre histoire. Sur ce que c'était que résister. Hein, beaucoup d'enfants ont compris que le premier acte de résistance, c'était d'abord de s'informer. Dire non, savoir désobéir. Et sur l'école et la vie quotidienne à Ascq pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc à partir de toutes ces informations, on a écrit, on a imaginé le journal intime de Louise, une enfant qui habite rue Mangin et qui rentre à l'école en début octobre 1939 et qui va connaître donc l'arrivée des Allemands. Je vous montre les preuves. Et là, donc là, je vous montre un petit peu, c'est un petit extrait, c'est le début de l'histoire écrite par les enfants.
Et peut-être, ce qui va peut-être vous intéresser un petit peu plus, c'est le texte d'après, c'est deux élèves. Ah, on n'a pas eu le temps. Je m'en arrière. Non. Hop, vas-y. Ça va ? Non, je passe. Vous pouvez venir d'ailleurs le 6 juin 2019. À l'espace Concorde, nous inaugurerons le livre à 18h en présence des familles, des enfants, des personnes de la mairie aussi, et de l'illustratrice qui nous a aidés. Et donc je voulais vous présenter. Il circule normalement. C'est le texte qui a été écrit par deux enfants sur les événements du 30 mars et du 1er avril 1944. C'est ce qui s'est passé. Je le fais passer. Ça arrive jamais. Mais le livre sera en vente 5 euros le 6 juin. C'est la publicité, c'est coopératif. Donc voilà. Donc je passe si vous avez fait. Vous avez décalé un peu les dates. Vous avez décalé un peu les dates, c'est pas grave. C'est le premier de réserve. Oui, c'est le premier du premier. C'est pas grave, les premiers avec. Oui, mais c'est parce qu'elle raconte. Comment ? Ils ont changé de temps. C'est pas grave. C'est un début. C'est bien. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire cette semaine avec Marianne Abesdris, qui est illustratrice. On lui a envoyé les textes, il y a une correspondance, et là, on est en train de vous justement d'illustrer les histoires des enfants. Et donc, encore une fois, on se nourrit de tout ce qu'on a découvert dans le musée, dans la ville, pour essayer de garder les cohérences. En parallèle, on fait d'autres choses avec les enfants. On est en train de faire, par exemple, une BD. Je vous ai ramené deux planches, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Une BD sur les événements du massacre d'Ascq. J'ai 5 enfants qui vont participer aux commémorations du 13 avril. Et en partenariat avec les gens qui s'occupent de la cantine au midi aussi, on travaille sur des chants et une association de musiciens pour essayer de faire une petite chorale. Voilà ce qu'on fait en CM avec des enfants de l'homme. Merci beaucoup, Yann. Éventuellement peut-être de différer les questions à la fin de la table ronde de façon à ce que chacun des collègues ait le temps d'intervenir. On globalisera l'ensemble des questions sur tout ce qui concerne la pédagogie, que ce soit donc à l'école primaire, au collège ou dans le travail qui est effectué donc par les structures muséales qui doivent évidemment aussi aborder les choses de manière éducative et pédagogique pour les élèves. Donc Magali Cochet, professeure d'histoire-géographie au collège du Triello, du Neuf d'Ascq, expérimentation classe de 3e. Voilà, alors j'arrive en dernier, donc forcément les collègues ont déjà pas mal défloré mon propos. Alors on va être ici plutôt dans une expérimentation qui est menée avec des élèves de 3e, en fait avec deux classes. Une classe a mené l'intégralité du projet, je vais vous parler en termes d'étapes, donc cette classe a vraiment fait les 5 étapes du projet parce que j'ai collaboré avec ma collègue de français. Et comme nous l'avait bien rappelé Jean-Baptiste Gardon lors de la première journée, je vais faire pas mal de liens avec la première journée d'études, le travail interdisciplinaire nous permet de gagner du temps. Surtout qu'au collège, on est beaucoup plus contraint par rapport au cycle 3, parce qu'il y a quand même un cloisonnement de nos enseignements, même si on essaye de décloisonner. Et puis surtout, en classe de 3e, on a un programme à tenir, d'autant plus qu'on a un examen à la fin de l'année. Donc pour une classe, le travail a été mené dans son intégralité, et pour l'autre classe, seules les 3 premières étapes ont été en fait vues avec mes élèves, parce que là je n'ai pas pu collaborer avec ma collègue de français. Alors, en réalité, j'ai essayé de faire réfléchir, parce qu'ils sont quand même en 3e, j'essaie de les faire réfléchir de manière implicite à la problématique et au rapport parfois un peu complexe
entre l'histoire et la mémoire, ce qui au niveau du cycle 3 est, voilà, je pense, plus difficile. Le devoir d'histoire, le devoir de mémoire dont on a parlé ce matin, et essayer de leur faire comprendre, parce que c'est très compliqué, on leur parle nous aussi beaucoup du devoir de mémoire, mais de bien distinguer les deux, de ne pas non plus parfois mélanger les genres, notamment quand moi en histoire j'ai besoin, puisque je suis professeure d'histoire, d'avoir des faits, alors que ma collègue de français va pouvoir davantage faire appel à l'émotion. Et aujourd'hui, de plus en plus de travaux font que les élèves on leur demande de se mettre en situation, finissent parfois par mélanger un peu les genres. Et donc, pour moi qui suis historienne, c'est un peu délicat parfois. Donc, j'ai bien voulu leur montrer qu'il y avait un temps pour l'histoire, qu'il y avait aussi un temps pour l'émotion, mais que l'un n'empêchait pas l'autre, comme le disait ce matin Monsieur Henri. Alors, moi j'ai pris le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que Madame d'Albert, lors de la première journée, nous avait dit « il faut fréquenter les lieux de mémoire ». Alors, je le fais depuis longtemps, puisqu'en fait, quand je suis arrivée au collège Triolo, il y a plus de 20 ans, mon collègue à l'époque était Sylvain Calonne. Je ne connaissais rien du massacre, d'Ascq. Je n'habitais pas à Villeneuve-d'Ascq. Donc, très rapidement, il m'a expliqué quelles étaient ses missions. Petit à petit, j'ai commencé donc à fréquenter le mémorial. Je n'y suis pas allée tous les ans parce que nos pratiques nous invitent parfois à faire des choses puis de ne plus le faire l'année suivante. Et donc, je n'y étais plus allée depuis 2 ou 3 ans. Et Madame Vézérian me demandant d'intervenir dans le cadre de la journée d'études, je me suis dit, bon, cette année, je retourne avec mes élèves au mémorial d'Ascq. Alors, j'avais, il y a quelques années, avec un autre collègue que Monsieur Calonne a connu, élaboré tout un questionnaire que les élèves faisaient pendant la visite, mais j'avais envie de changer, voilà, parce que les choses aussi ont changé, et notamment les élèves ont beaucoup changé. C'est-à-dire que l'enthousiasme dont les élèves peuvent encore faire preuve à l'école primaire a tendance à s'effilocher tout au long du collège. Et donc, nous arrivons donc en fin de cursus avec une hétérogénéité qui est de plus en plus grande, qui s'est creusée, avec des élèves qui, face à l'écrit, quand je vois par exemple tous les textes qui ont été faits par ma collègue du cycle 3, moi ça a parfois tendance à m'impressionner. Quand des élèves de 3e doivent écrire 20 lignes, on a l'impression, comme ils le disent, qu'ils sont au bout de leur vie. Donc, vraiment, c'est un énorme challenge. Donc, je suis allée donc sur les lieux de mémoire, d'autant plus que j'ai fait un petit sondage après coup. Donc, sur les 2 classes que j'ai emmenées, ce sont des petites classes, hein, donc 2 fois 18 élèves. Seuls 4 élèves avaient eu connaissance d'un événement, mais c'était quand même pas très précis. Alors, je ne suis pas dans la circonscription, enfin, je ne recrute pas sur l'école Camus, donc forcément. Mes élèves, là, vraiment, outre parce qu'ils en avaient entendu parler par leurs parents ou parce qu'il y avait eu une évocation à l'école primaire qui était bien lointaine, hein, parce qu'une élève m'a dit « j'en ai entendu parler à l'école primaire », elle n'a sans doute pas été seule dans son école primaire et elle était la seule à s'en souvenir. Donc, il y a quand même, vous voyez, vraiment le problème de la mémoire. Donc, je suis allée donc sur... les lieux du massacre. Donc, on a visité tous les lieux donc, qui vous ont été évoqués, je ne vais pas revenir là-dessus. Les élèves ont été particulièrement touchés quand même par cette visite. Ils ont vraiment apprécié pouvoir faire de l'histoire autrement, hein, donc de sortir de la classe. Et j'avoue que les conditions météorologiques à 2 reprises ont été extrêmement mauvaises, puisque la première fois c'était la veille de la tempête de neige, donc on le sentait bien, et la deuxième fois c'était sous la pluie. Et pourtant, ils en ont gardé un très bon souvenir,
j'ai bien vu que ça les avait marqués. Alors, pas de questionnaire. Je voulais qu'ils soient absolument à l'écoute, parce qu'on a besoin de travailler aussi l'écoute. Hein, les collégiens sont parfois moins attentifs que les élèves du cycle 3. Donc, on a travaillé l'écoute. On a bien entendu remis en contexte. Alors, Sylvain vous a présenté la muséographie. On avait déjà eu l'occasion de travailler sur le régime totalitaire de l'Allemagne nazie, donc on avait déjà évoqué les jeunesses hitlériennes. L'intérêt également, c'était donc d'avoir un récit fait par quelqu'un d'autre que le professeur. Et puis également, on a beaucoup travaillé sur la muséographie, parce que c'est en lien avec un travail que je vais leur demander ultérieurement. Je reprends les propos qui avaient été tenus par M. Clouet lors de la première journée et qui disait qu'il fallait respecter la sensibilité, faire très attention. Et là, je voulais en fait leur montrer, et ils le comprennent très facilement, qu'il y a un message qui est véhiculé de par les couleurs, la taille des pièces, le positionnement des objets. Et ils arrivent là, pour le coup, ils sont plus grands, donc à trouver assez facilement la symbolique au niveau de la muséographie. Alors, l'objectif également lors de la visite, j'y reviendrai avec eux, Madame Cordier-Duchange, lors de la première journée, nous avait dit qu'il était important de déraciner et d'identifier la complexité. Là, ils sont en troisième, donc effectivement, on a abordé le fait que le village avait été traumatisé, il avait été également divisé l'acte de sabotage. Et puis également, elle avait insisté sur le fait qu'il n'y avait pas que des gentils et que des méchants. Et donc on a pu, et ça, ça a beaucoup aussi marqué les élèves, travailler sur le fait que les gendarmes, les soldats qui étaient à Lille, étaient intervenus pour arrêter le massacre. Voilà, donc ça, ils en avaient bien conscience. Et puis, toujours pour reprendre les propos de Madame Cordier-Duchange, l'objectif, c'était, en allant sur les lieux, d'imaginer la souffrance, mais de maîtriser les émotions. Et ça, c'est important pour la suite du travail. Alors, on est revenu en classe, et donc là, on a mené un travail d'histoire. Je reprends toujours les propos de Madame Cordier-Duchange, qui avait dit, donc, l'histoire, c'est énoncer les faits. Hein. On a vu ce matin l'importance de ce travail historique. Alors, j'ai en fait, moi, présenté des documents aux élèves, c'est-à-dire un témoignage qui date de mars 1945, qui n'est d'ailleurs pas authentifié, on n'a pas de signature, mais dont le titre est quand même très éloquent, donc on les a fait réfléchir là-dessus. Également, donc, la BD qui a été évoquée, parce que certains élèves sont aussi plus en difficulté, mais ce support reste quand même un support pour des élèves de collège intéressant. Et puis, je leur ai présenté donc des revues qui avaient été élaborées à l'occasion du 60e anniversaire du massacre d'Ascq, qui en fait reprenait ce qui avait été vu lors de la visite. Je les ai également orientés vers un site qui avait là également été mis en place pour le 60e anniversaire du massacre d'Ascq, qui, je trouve, est difficile maintenant à trouver, en fait, si on n'a pas la référence, parce que, et on peut le comprendre, il est occulté, parce que la première chose que l'on, ce que j'ai fait, j'ai tapé massacre d'Ascq et on va effectivement davantage vers le site de la mairie. C'est normal, puisque le mémorial, voilà, est dorénavant géré par la mairie. Donc là, on a discuté par rapport à tous ces documents, et puis les élèves ont dû répondre à un questionnaire. Donc, bien entendu, là, la vidéo qui a été mise en ligne et qui reste, même pour des élèves de 3e, très bien, a été utilisée en fait par mes élèves pour répondre à un questionnaire qui était vraiment un questionnaire
historique. Voilà. Donc, on reprenait les éléments qui avaient été donc évoqués par Quentin Duhem lors de notre visite. Alors, lors de notre visite, nous avons effectivement, Quentin a évoqué la sollicitation qui avait été faite par rapport donc à la venue du président de la République. Et donc, on a voulu donner également, alors ça n'avait pas du tout été prévu, c'était quelque chose un peu d'ajouter à la dernière minute lors de la visite avec Corinne. Donc Quentin nous dit, voilà, on a eu la réponse, le président de la République ne viendra pas. Il nous dit que la municipalité a également envoyé des courriers. Et donc là, un peu comme un défi, on s'est dit, si nous aussi, on écrivait au président de la République, puisque l'objectif, c'est de donner une dimension civique, comme nous le rappelait M. Clouet lors de la première journée. Et donc là, on a fait de l'EMC. Alors, on est revenu de notre visite le mercredi matin, et donc la tâche a été donnée aux élèves sur l'après-midi du mercredi. Je pensais qu'un certain nombre d'élèves n'auraient pas joué le jeu, donc ils étaient à peu près 15 à être présents lors de cette sortie. Ils nous ont tous apporté donc leurs lettres écrites au président de la République. Alors, bien entendu, je ne peux pas vous les présenter, je les ai en détail, beaucoup de maladresses, tant sur le fond, parce que la visite avait été faite le matin, donc on n'avait pas encore eu le temps de revenir sur tous les détails historiques. Sur la forme, n'en parlons pas, mais quand même, certains avaient fait des recherches. Hein. Certains avaient pensé, par exemple, à mettre le numéro du collège pour que le président puisse nous envoyer sa réponse assez rapidement, au niveau des formules de politesse également, parce que, bien entendu, on ne s'adresse pas à un président comme on s'adresse à son professeur ou à un autre membre du collège. Donc, là-dessus, le lendemain, on a fait un cours en co-animation avec ma collègue, qui est venue donc, dans mon cours d'histoire. Et les élèves, on a échangé les lettres pour que chaque élève ne lise pas sa lettre. Et donc là, avec beaucoup de sérieux, sans moquerie, ils ont lu les lettres des uns et des autres. Et nous avons tout simplement ciblé les points forts, les points faibles du travail pour faire un vrai travail collaboratif. Donc, on a ensuite fait les photocopies des lettres. On a surligné tous les éléments qui nous semblait important à retenir. Donc certains parlent de la dimension civique, ils l'évoquent eux-mêmes, ils disent en tant que citoyens engagés. Certains évoquent le fait qu'il faudrait donner effectivement un peu plus de visibilité à l'événement. Je n'ai pas voulu les inciter. Autrement, je leur aurais peut-être signifié qu'Emmanuel Macron avait fait un tweet en janvier 2018 où il disait donc devoir de mémoire et vigilance de chaque instant. Donc, je ne leur ai rien dit, ils ne l'ont pas trouvé. Hein, donc, voilà, je me suis bien gardée de trop de les aiguiller là-dessus. Et après, on était quand même contraints par le temps, puisque la visite avait lieu début mars. Donc, ma collègue a rassemblé l'intégralité des phrases qui avaient été surlignées. Et là, moi-même, en s'entend bien incapable en tant que professeur d'histoire-géographie, c'est elle qui a rédigé, en fait, le courrier à partir des phrases clés des élèves. On a proposé le document, en fait, aux élèves, qui, bien entendu, ont trouvé que voilà, c'était ce qu'ils avaient envie de dire, hein, mais qu'ils n'ont pas su mettre en forme. Et donc, ils ont signé le document. Alors, pour la petite anecdote, on a beaucoup réfléchi parce que même nous, dans ce courrier, ma collègue et moi devions mesurer à la fois le côté historique, sans trop en faire, et le côté émotion, sans trop en faire non plus. Donc même pour nous, adultes, c'était un savant dosage. Et alors, au niveau de la signature, je me rappelle, ma collègue avait dit, puisque je lui dis, tu t'es renseignée, on signe comment? Alors elle dit, je pense que ce serait bien, ils mettent leur prénom et l'initiale de leur nom.
Et là, donc, un élève n'écoute pas bien et il met d'abord l'initiale de son nom et son prénom. Je vous laisse imaginer le tollé que ça a été, vraiment, les camarades, oui, tu te rends compte, tu vas vraiment détruire notre lettre. Je leur ai dit, attendez, on n'en est pas là. Donc voilà, ils étaient particulièrement enthousiastes et surtout, ils ne pensaient pas qu'on pouvait écrire au président de la République. Donc, on leur a dit, mais bien sûr que si. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas une réponse, hein, parce que j'imagine que vous avez posé la question. Voilà. Eux-mêmes me la posent régulièrement. Donc, elle doit être quelque part au secrétariat. Alors, on leur a quand même dit, bon, on sent bien que la réponse est négative, hein, mais on leur a quand même dit, et s'il vient ? Vous êtes obligés de venir. Donc voilà, hein, donc on leur a lancé là, on verra. Donc pour l'instant, néanmoins, on attend quand même une réponse officielle. Quand est-ce que ça a été envoyé ? Ça a été envoyé, ben, on l'a fait le 6 mars, donc c'était le 7 mars, le jeudi. On s'est laissé le temps du week-end et le lundi, donc vous voyez, donc on va être aux alentours du 10 ou 11 mars. Donc il faut un petit peu de temps. Alors on l'a envoyé par écrit, écrit par donc une élève hein, qui avait la plus belle plume. Deux élèves se sont lancés un peu le défi et on l'a envoyé par mail, puisqu'on leur a dit, il y a un site, voilà, c'était l'occasion de faire donc un peu d'éducation civique. Alors, toujours dans le cadre de l'éducation civique, sans aller bien entendu aussi loin, puis ça me permettait de faire la transition, on est revenu sur des articles de presse dont on a parlé ce matin, je ne redéveloppe pas, donc là on a eu aussi une discussion et sur la nécessité quand même de rester vigilant par rapport à des événements qui pourraient être oubliés. Alors, la quatrième étape, donc là, inviter davantage les élèves à leur faire comprendre que, sans qu'ils s'en rendent compte, l'histoire n'était pas mémoire, en fait. Et donc, je leur ai proposé de me réaliser des boîtes mémoire avec, pour compétence, le travail de l'oral. Alors, avec un double objectif, exposer le massacre d'Ascq à des élèves d'école primaire, puisque eux-mêmes sont souvent confrontés à la violence dans leurs jeux vidéo, et donc comment eux, qui ont tendance parfois un peu à banaliser la violence, comment eux, qui sont plus âgés, vont pouvoir transmettre, donc il y avait aussi tout le travail sur la transmission à des plus jeunes, ce massacre, mais sans avoir recours à des images trop violentes. Donc ça, c'était en lien avec toute la muséographie que nous avions vue lors notre première étape. Alors, l'objectif, c'était d'avoir un contenant et un contenu. Donc, le contenant devait être décoré pour déjà délivrer un message et un contenu qui devait comporter au minimum 4 objets, des objets qu'ils allaient ensuite faire parler. Ils avaient des explications à me donner pour que j'accepte donc leur travail. Alors certains m'ont demandé, madame, est-ce que je peux le faire en utilisant des Legos ? Ça reste des enfants quand même. Et j'avoue, je n'ai pas apporté, mais celui qui l'a fait, il a vraiment eu à cœur, et on le verra après, de mettre des détails très précis, en fait. Alors, j'ai eu une quarantaine de boîtes, très inégales. Hein. Tous les élèves ont joué le jeu, sauf une élève. Et des élèves qui, parfois, sont en grande difficulté. C'est notamment le cas de la première élève qui a fait ce travail. Et c'était pour elle, d'ailleurs, l'occasion de le faire avec sa maman. Et donc, dans une situation personnelle un peu compliquée. Mais ça veut dire qu'il y a quand même eu, là aussi, de l'intergénérationnel, en plus de l'intercycle auquel j'avais pensé. Donc, elle a bien travaillé sur la scénographie de sa boîte. Et à l'intérieur, c'est très simple, mais c'est efficace. Elle a pris, en fait, des dominos. Elle a représenté, en fait, avec les dominos, donc, le sabotage. Et elle a distingué, donc, effectivement, les résistants avec les dominos bleu, blanc, rouge et les civils innocents, d'accord, avec les dominos blancs.
Alors, bien entendu, le message est assez simple. Hein. C'était pour elle déjà, pour une élève de 3e, c'était déjà beaucoup. Hein. Donc, au niveau de ce travail, l'élève est allé jusqu'à distinguer certains lieux du massacre entre autour donc, de la voie de chemin de fer un certain nombre de Legos qu'il avait positionnés, qui correspondaient à tous ceux qui étaient en fait morts à proximité de la voie ferrée. Il a également représenté, à sa manière, hein, parce que l'objectif c'est de l'expliquer à de jeunes enfants, donc la maison Roseau avec ceux qui finalement ont été pris au piège devant la maison Roseau. Et en fait, il y a un petit... Alors, il a représenté les femmes et les enfants, parce qu'on n'en a pas parlé, mais qui avaient été enfermés dans le poste d'aiguillage. Ça les avait beaucoup marqués aussi. Les résistants, qui n'ont pas la même allure que les massacrés. Et puis, on voit un petit personnage qui tient en fait dans sa main un téléphone. Et c'est celui en fait qui a prévenu la fête gendarmerie. Et ça, ça l'avait beaucoup marqué. Et donc, je me suis dit, montrer la complexité, ça, c'est finalement quelque chose qu'il a réussi à saisir. Bon, alors après, il y avait des choses qui étaient, des choses qu'on trouvait dans certaines boîtes, qu'on ne trouvait pas dans d'autres. Donc, le fait que le lieu soit isolé, hein, donc le fait que ce soit des champs, par exemple. Des élèves qui ont représenté également les résistants par le symbole et les massacrés, par exemple, par des... l'élève avait choisi des allumettes. Dans sa boîte, il y avait un article de Libération qui titrait « Assassin », quand même, pour montrer les articles de presse. Alors, des évocations, et là où on voit où on bascule vers l'émotion, en fait. Une élève qui avait été beaucoup marquée, donc « La couleur noire de la nuit », le fait que le deuil soit symbolisé par cette fleur blanche, et puis le fait que civils aient été arrachés de leur lit, parce que c'est un lit en fait, est symbolisé ici à l'intérieur de la boîte, avec des personnages qui sont en dessous, et puis cette boîte qui contient en fait 86 chiffres. Alors une autre élève a été beaucoup marquée par le manteau qui est dans le musée. Et en fait, elle a eu l'idée, avec quelques mots-clés, puisqu'il ne fallait pas heurter la sensibilité des plus jeunes, de représenter donc les résistants par les cœurs, les massacrés par les boutons, et alors des boutons de taille différente pour symboliser en fait des âges différents, parce que tout ça, elle a dû nous l'expliquer. Hein. Donc également, elle nous expliquait que pour elle, le manteau finalement s'use. Et ce qui reste peut-être d'un tel objet, c'est le bouton. Hein, autre élève, alors très simple sa maquette, enfin sa boîte mémoire. Donc il a représenté, là aussi il a réutilisé la scénographie du noir. Il a représenté les résistants, les étoiles en fait pour représenter les massacrés, et puis les bâtons d'allumettes. Puisque ça symbolise pour lui le sabotage, avec l'explosion sur la voie ferrée. Donc ils ont dû quand même s'approprier un certain nombre de connaissances, tout en là aussi des choses qu'ils avaient retenues. Alors, l'une des boîtes mémoire qui a retenu mon attention, c'est celle-ci. D'abord parce qu'il a retrouvé, sans qu'on lui dise, un poème d'Aragon sur le massacre d'Ars, mais on ne leur avait pas dit, ce que je vais vous expliquer après la dernière étape du projet. Donc, on avait vraiment caché ça. Il a retrouvé Réveil du Nord, qui était en fait le couvercle de sa boîte. Donc, ils ont appris à vieillir les papiers aussi. Donc, ils ont utilisé beaucoup de café et de thé pour vieillir les documents. Ça leur tenait à cœur. Et en fait, c'est très simple à l'intérieur, mais c'est aussi très efficace. Il a représenté l'heure du massacre. Il a représenté avec tout simplement des pistaches, en fait. Et puis quelques mots, de manière à pouvoir parler à des jeunes enfants, de ce massacre. Voilà. Alors, un élève qui au début n'avait mis que des bouts de papier, je lui ai dit non, ça c'est pas possible, et qui a beaucoup plus retravaillé son projet, et qui notamment a été l'un des rares à retenir la phrase qui est sur le tertre. C'est très étonnant, je pensais la voir beaucoup plus souvent dans les boîtes,
et qui donc a remis les pierres, même chose. Alors une élève qui là s'est mise donc en situation parler, de témoigner de ce que elle avait vécu, quelqu'un qui était présent au massacre, hein, donc, mais c'est bien fait hein, quand on lit le document. La dernière étape, là c'est un peu décalé, je ne comprends pas pourquoi. L'objectif, donc là c'est la partie de ma collègue de français, ça a été d'écrire cette fois-ci pour commémorer le massacre d'Ascq. Et là, j'avoue que là, moi je suis complètement en retrait par rapport à tout ça, même si quand même je suis d'un peu plus loin. Et donc c'était cette fois-ci, comme l'avait dit Bérangère Cordier du Change, dénoncée par l'émotion. Et donc là, ma collègue leur a présenté deux poèmes, l'un d'Aragon et l'un de Tardieu sur le massacre d'Oradour. Elle a travaillé sur donc, tout le procédé littéraire qui est assez compliqué. Et les élèves devaient soit se mettre dans la version Aragon, soit dans la version Tardieu, qui est un peu plus simple. Et donc, elle a travaillé avec eux sur les mots-clés, sur les rimes, mais les rimes qui ne doivent pas perdre le sens, parce que les élèves se sont un peu parfois perdus. Et ils ont écrit, donc là, où ils ont davantage pu faire appel à l'émotion, des poésies sur le massacre d'Ascq, soit en imitant donc Aragon, soit en imitant Tardieu. Voilà. Merci. Merci. On diffère les questions après l'intervention donc d'Hélène Priego, directrice du musée de la résistance de Bondu. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que beaucoup de choses ont déjà été évoquées, donc je vais essayer de faire vite, notamment pour essayer de rester dans les temps. Donc quelques mots pour expliquer la démarche et l'histoire de ce musée, qui est parfaitement en lien, si je puis dire, avec la thématique et le fil rouge qui a guidé cette journée, puisque à l'origine, ce musée il fait suite à une initiative qui est une initiative mémorielle, puisqu'il est situé dans un fort qui est un lieu d'exécution pour 68 personnes, principalement des résistants, hein, quasiment à l'exclusion de deux ou trois personnes pour lesquelles ça n'est pas certain. Ces lieux ont d'abord été transformés en 1986 en lieu de mémoire, en lieu de recueillement, notamment pour les familles, avec la création de ce qu'on appelle la cour sacrée, qui héberge donc un monument aux fusillés, cette fois-ci, et non pas aux massacrés. Donc là, il y a vraiment une volonté de bien utiliser les termes appropriés, puisqu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Hein. Là, il s'agit vraiment d'un contexte judiciaire, pour le coup, pour les fusillés de Bondu. Et suite à cette inauguration du mémorial, eh bien, les responsables donc, de l'association Souvenirs de la Résistance et des Fusillés du Fort de Bondu et la commune ont souhaité faire appel à des enseignants d'histoire pour travailler sur un lieu qui irait justement au-delà de la mémoire, ou en tout cas à côté de la mémoire, et davantage dans l'explicitation historique. Qu'est-ce que c'est que la résistance? Quelles sont les particularités aussi de la résistance dans cette zone, comme l'a bien expliqué tout à l'heure Monsieur Stéphane Henry, qui avait quand même des particularités très fortes, qui avait vécu deux occupations allemandes, qui était sous un statut très spécifique de loi martiale allemande du gouvernement de Bruxelles. Donc, quelles étaient toutes ces spécificités? Et là, ce que je vais vous expliquer donc, sur les logiques qui ont guidé la création de ce musée, je n'y suis absolument pour rien, donc il ne faut absolument pas prendre le mérite de la création de ce lieu dans les années 90, puisque c'est une équipe donc, d'anciens résistants et de professeurs, d'enseignants d'histoire, qui ont présidé à cette création, dont certains sont ici aujourd'hui, Madame Louage par exemple, qui est présente dans l'Assemblée, et qui donc ont souhaité créer un lieu qui soit donc un lieu d'histoire avant tout, donc avec une rigueur historique certaine, et non pas l'idée qu'on avait deux choses un peu concurrentielles et un peu opposées, comme le disait là aussi Monsieur Henri ce matin, l'histoire et la mémoire, mais deux choses qui ressortaient finalement de logiques différentes, un peu comme la science et la foi. Ce sont des choses qui finalement sont des mondes un peu parallèles et qui doivent être
mis justement en parallèle et considéré. Donc ce travail d'histoire, il a été fait dans un souci également de pédagogie. C'était l'avantage d'avoir des enseignants d'histoire dès le départ dans les équipes, et ça a permis d'avoir un parcours qui était dès le départ extrêmement pédagogique et compréhensible par tous les publics, et notamment le public scolaire, puisque l'on souhaitait que ce musée participe à la transmission de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la zone rattachée. Donc des salles articulées autour du parcours, finalement, d'un parcours type un peu de résistants de la région, des valeurs qui ont articulé ces parcours, le refus. On a dit tout à l'heure que le propre de la résistance, finalement, c'est aussi de refuser certaines choses. Donc quelles étaient ces choses, quelles étaient ces motivations, le courage, comment ça se traduit, ce courage, qu'est-ce que l'on fait concrètement, l'engagement, et ça c'est devenu vraiment un terme central, parce qu'effectivement ce qui peut caractériser la résistance, c'est cette notion d'engagement et de choix, et puis le sacrifice, puisque c'est une notion là aussi qui est présente à l'esprit des résistants, mais aussi des civils, justement, pendant l'occupation. Donc on a souhaité à l'époque véritablement avoir quelque chose qui permettait donc cette transmission, et il y a eu dès le départ une articulation et des ponts très très forts avec le monde enseignant qui explique donc à la fois ce parcours mais aussi toutes les démarches qui ont été entreprises à destination de ce monde enseignant, notamment dès le tout début des années 2000, la participation au concours national de la résistance, l'organisation d'expositions spécifiquement pour soutenir le travail des enseignants qui s'étaient engagés dans ce concours de la résistance. C'est un travail qui est très lourd, qui se fait en plus des heures de cours donc pour les enseignants. Donc effectivement, il est bienvenu de pouvoir les aider, de fournir quelque part, je ne dirais pas des éléments clés en main, mais des pistes de réflexion pour les guider. Tout cela s'est fait à l'époque de la même façon que les cours d'histoire et que les manuels, c'est-à-dire en mettant l'accent principalement sur les événements, des événements clés pour la compréhension de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation, et en particulier, on l'a dit tout à l'heure, des événements locaux, avec toujours cette volonté que les élèves puissent rattacher ce qu'ils voient au sein du musée à leur quotidien. Que des élèves de Tourcoing puissent faire le rapport avec le sabotage du Sapin Vert, que des élèves de Villeneuve-d'Ascq puissent se rappeler le massacre d'Ascq, qu'on ait à chaque fois des lieux et des noms qui soient évocateurs, puisque pour les élèves, il y a cette volonté d'être ancrés donc, dans le territoire et dans leur vie quotidienne. Ce qui d'ailleurs m'amène à un peu l'évolution ou les évolutions en cours, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, les élèves ont évolué en quelques années, d'une part. On a aujourd'hui des élèves qui n'ont plus le même lien générationnel avec le Second Conflit mondial. Lorsque j'ai commencé à travailler au musée en 2006, la plupart des élèves qui visitaient le musée avaient des grands-parents ou au minimum des arrière-grands-parents qui leur avaient transmis directement la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ce n'est quasiment plus le cas. Donc, on a perdu ce contact direct. Et il y a un phénomène qui, là aussi, je pense, est lié aux jeux vidéo et aux films, ce qui ne sont pas nécessairement un mal, mais qui vont participer de la déréalisation, en fait, des événements. Finalement, la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, pour un élève de CM1, CM2 ou de 3e, c'est quelque chose qui ne passe que par la fiction, ou du moins par la narration, même si c'est un documentaire sur des faits réels. Donc, il y a une grosse difficulté à percevoir ça comme une réalité qui a touché en plus des gens proches dans un passé pas si lointain, finalement. Mais pour eux, c'est la préhistoire, pour ainsi dire. Donc il y a une temporalité, un rapport à la temporalité qui n'est pas non plus du tout celle des adultes. C'est extrêmement compliqué de faire retranscrire la réalité et le ressenti de ces événements. C'est aussi un public dont on a vu, et je pense que là je m'adresse à des gens qui connaissent bien le souci parmi les enseignants, les capacités d'attention soutenues diminuaient considérablement.
On n'est plus devant un public qui est capable, pendant une heure et demie, d'écouter de façon passive une visite ou un cours un peu académique. Hein, ça n'est plus du tout ce type de public. On peut le déplorer ou on peut s'en réjouir, mais en tout cas, c'est une réalité. Et là aussi, ça signifie que les pratiques de médiation eh bien, vont devoir évoluer parce que ça fait déjà plusieurs années, d'ailleurs, qu'au musée, on n'est plus du tout dans le simple transmission académique. Hein, on est magistral, on est dans un échange, beaucoup de questions aux élèves, beaucoup de participation, d'interactivité. Mais c'est quelque chose qui doit se traduire de façon plus ancrée dans la médiation. Donc, on a dû, ces dernières années, interroger notre articulation avec le monde de l'enseignement, qui lui-même donc, était en pleine évolution, puisque maintenant, on conseille aux enseignants, là aussi, de laisser davantage de place à la réflexion des élèves, en faire des acteurs davantage que de l'assistance, tout simplement, au cours. Donc, on a eu là des réflexions convergentes avec le monde de l'enseignement, de l'éducation nationale, mais des réflexions qui signifient que, paradoxalement, nous sommes en train d'envisager des modes de médiation qui s'éloignent un peu, qui collent de moins en moins à la médiation, disons, scolaire, comme vous pouvez l'entendre il y a quelques années, et qui, pendant très longtemps, ce musée a été vraiment un prolongement hein, pour certains enseignants de leurs cours. C'était vraiment une opportunité d'avoir pendant 2 heures, finalement, quasiment un doublement de leurs cours sur la Seconde Guerre mondiale. Avec des pistes vraiment clés en main hein, pour comprendre et pour développer ces notions. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans une logique un petit peu différente qui va laisser davantage de place donc, à la réflexion des élèves. Et on l'a dit tout à l'heure, cette réflexion va se faire à partir effectivement du réveil des souvenirs familiaux, très souvent. La visite, les cours sur le sujet peuvent réveiller ce discours intergénérationnel avec des gens qui sont donc des descendants de résistants, des descendants d'occupés, descendants de déportés, et non plus les témoins directs de cette période, et qui donc ont parfois largement enfoui ce souvenir. Donc on va un peu exhumer ces notions, et qui vont se faire aussi à partir d'un travail. Alors notamment, il y a toute une réflexion là en ce moment sur un parcours de visite qui partira des parcours des fusillés, par exemple. Chaque élève est appelé à choisir un fusillé et à retranscrire au fil de la visite, avec l'aide des guides, donc avec l'aide du médiateur. D'ailleurs, le vocabulaire a son importance. On n'est pas forcément guidé, mais voilà, il y a vraiment un partage, il y a un échange. Avec l'aide des médiateurs, eh bien, de revenir sur ce parcours des fusillés, de faire le lien avec le type d'action que ce fusillé a pratiqué, faire le lien avec les sentences qu'il a encourues, et plus généralement, donc, comment ces sentences se plaçaient dans le système répressif nazi, avec donc la mémoire. Est-ce que c'est un fusillé qui a donné son nom à une rue? Est-ce que c'est un nom qui vous est familier? Puisque pourquoi avez-vous choisi ce nom-là? Est-ce que vous venez d'une ville où peut-être une rue porte ce nom ou une place porte ce nom? Et donc essayer de les placer effectivement en position un peu centrale d'acteurs, comme on leur demande de le faire lors des travaux en îlot, un peu des travaux en classe. Donc c'est vraiment une réflexion en cours et à laquelle eh bien, on est un peu obligé ces derniers temps pour coller à ce nouveau public. On l'a évoqué aussi, il y a des différences effectivement très marquées entre CM1, CM2 et 3e. En CM1, CM2, on a des élèves qui sont d'une curiosité débordante, d'un enthousiasme débordant qui doit d'ailleurs presque être un peu canalisé parfois, parce qu'il faut savoir vraiment les mettre dans les bons, dans les bons chemins pour que cet enthousiasme soit le plus productif possible. En 3e, être enthousiaste, ça n'est pas cool. Là, clairement, là, pas du tout recommandé, si on tient à sa réputation. Donc, c'est compliqué, effectivement, d'engager ces élèves. Donc, là aussi, on voit l'importance de l'évolution muséographique. Hein, on en parlait tout à l'heure avec ce travail que vous avez abordé sur la muséographie et qui me paraît extrêmement important parce que les élèves sont effectivement tout à fait en mesure de percevoir les dispositifs, de comprendre les dispositifs muséographiques.
pratique et voir comment ceci influe sur leur expérience. Donc il va y avoir un travail pour davantage les immerger finalement dans une ambiance qu'ils ont de plus en plus de mal à comprendre et à percevoir parce que ils n'ont plus cette transmission orale qui était centrale à l'époque. Ma grand-mère m'a raconté la première occupation, la deuxième occupation, avec moult détails assez impressionnants sur l'ambiance pesante régnant à Lille, la peur permanente, etc. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent que, comme on a dit, par les films, par les jeux vidéo. Et évidemment, par les jeux vidéo, les films, c'est souvent un peu glamourisé. Je pense notamment à un jeu vidéo qui date un peu maintenant, qui s'appelait Violet Assassin, qui partait du personnage de Violet Szabo, donc membre du SOI, qui était donc une dame qui participait effectivement à des sabotages, à des actions de renseignement, etc., et qui était transformée donc en super-héroïne, un peu type Black Widow, hein, voilà. L'avantage c'était de faire connaître un personnage historique, mais ça devenait quelque chose de tout à fait glamour et d'assez éloigné. Donc il faut effectivement leur faire comprendre par des dispositifs muséographiques de plus en plus quelle était cette ambiance, quel est le vécu en période d'occupation et justement dans quelles conditions ces résistants vont opérer, dans quelles conditions les civils vivaient, quel était le prix de la résistance et les réflexions qu'il pouvait y avoir derrière les choix de certaines actions. C'est quelque chose qui est central ici à ASC, évidemment. Quelles opérations étaient recommandées, quelles opérations étaient risquées, quel était finalement l'arbitrage entre ces différents types de résistance. Ce travail, c'est un peu celui aussi qu'on va retrouver dans l'éducation nationale, c'est de faire passer des notions qui sont extrêmement complexes et dont il ne faut pas effacer la complexité, justement, et les faire passer de façon simple. Donc c'est tout un... c'est très facile, hein, comme vous pouvez l'imaginer, évidemment. Voilà. Et on l'a dit, là aussi, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des élèves de ce point de vue-là, puisque l'an dernier, en mai-juin, j'ai été très frappée notamment de recevoir des CM1, CM2, qui sont donc non pas plus perceptifs, mais plus disertes sur leurs impressions, et qui donc se sont ouverts un peu plus facilement que les troisièmes, et m'ont dit « Mais madame, ces soldats allemands, ils n'étaient pas tous méchants. » Et là, on retrouve, là, les notions, c'est les méchants, les gentils. « Ils n'étaient pas tous méchants. » Ah non, ils n'étaient pas tous méchants. Mais alors, comment ça se fait que des gens qui n'étaient pas tous méchants aient fait des mauvaises actions ? Alors là, on est parti pour la journée, pour à peu près 30-40 ans de littérature. Mais voilà, c'est le sujet. C'est vraiment ce qui est au cœur, effectivement, des études sur la Seconde Guerre mondiale. Comme j'avais pas chapouteau ou un graveau sous la main, j'ai dû un peu me débrouiller toute seule. Mais effectivement, c'est vraiment cette complexité qui est assez marquante et qui, je pense, dans les musées, va passer justement par ces dispositifs muséographiques, par ces ateliers qui ne sont pas forcément accessibles en classe. On a évoqué tout à l'heure le fait d'être hors les murs, d'être dans un autre milieu, dans un autre élément, et qui parfois fait s'ouvrir des élèves. Hein, on a dit tout à l'heure que parmi les élèves qui avaient réalisé ces boîtes, certains étaient en grande difficulté, n'étaient peut-être pas des élèves qui avaient l'habitude de travailler avec leur famille, de s'exprimer en classe, et ça c'est un phénomène que l'on retrouve très très régulièrement. Comme on est hors du milieu scolaire, on va s'épanouir de façon différente. Et ça, c'est très, très marqué. Donc, c'est vraiment là aussi l'un des avantages de cette articulation entre l'éducation nationale et les établissements culturels. Oui, et l'avantage, c'est aussi de pouvoir jouer effectivement sur différents supports, comme vous l'avez dit, sur le multimédia, sur le texte, sachant que les musées aujourd'hui vont devoir faire une part de plus en plus réduite au texte, hein, justement, puisque les élèves y sont de moins en moins réceptifs, hein, finalement. Donc on doit effectivement de plus en plus mettre l'accent sur l'image et sur sa traduction, son interprétation, parce qu'effectivement, les images, on peut leur donner toutes sortes de sens. Donc les élèves en sont bombardés, on l'a dit, ils ont de plus en plus de sources d'informations et de plus en plus de mal à les trier. Donc on se place maintenant comme finalement artisan de cette distinction. On leur apprend à distinguer les sources et à les interpréter.
Ah, c'est parfait. C'est génial. Donc, eh bien, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein, voilà. Alors, je vous remercie. Par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans vos témoignages. C'est le choix de ne pas leur donner de questionnaire pendant la visite. Merci, merci, merci. Ça, c'est quelque chose qui est assez terrible parce que très souvent, les enseignants, notamment ceux qui ont des élèves un peu en difficulté ou qui ont justement des capacités d'écoute assez limitées, pensent que le questionnaire va être un support qui va les aider à rester accrochés à la visite guidée. Or, le questionnaire, c'est un support qui est concurrentiel, qui peut être tout à fait favorable pour un travail en amont ou en aval de la visite, mais pendant la visite, finalement, c'est un peu trop de richesse tue. On est là pour avoir une visite guidée, ils ont la chance finalement d'avoir un interlocuteur, un médiateur, ils n'ont plus la chance malheureusement d'avoir un témoin direct. Ça, c'est vrai que de moins en moins, on a accès aux témoins directs de cette période. Et surtout, d'ailleurs, pour les témoins résistants, pour les témoins déportés, notamment déportés raciaux, c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, puisque par définition, ils pouvaient être plus jeunes à l'époque. Mais les résistants ont tendance à disparaître ces dernières années. Et c'est là aussi quelque chose qui mène à nous interroger sur d'autres modes de transmission. Donc, en tout cas, le questionnaire n'est effectivement pas forcément le support rêvé lors des visites guidées. C'est vraiment quelque chose dont on s'est aperçu. Et je vous remercie de vous en rendre compte.